C'était la quatrième fois qu'Emmanuel Macron adressait ses voeux aux Français. Un quart d'heure de propagande, selon l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, un exercice d'autoglorification pour Laurent Jacobelli du Rassemblement National. Et pas d'annonce pour les soignants, c'est ce que regrette l'écologiste Julien Bayou. Le moment important, et je crois fédérateur, et ça c'est bienvenu, c'est l'hommage aux différentes solidarités qui finalement se sont exprimées à travers cette année terriblement dure, parsemée de crises. Donc le personnel soignant, bien sûr, les forces de l'ordre, et puis ces solidarités du quotidien. J'aurais aimé que ça se traduise en actes, là encore une fois, en cohérence. Si on rend hommage aux soignants, eh bien écoutons-les. Et ces soignants, ils nous disent « arrêtez de supprimer des lits ». Malheureusement, le discours était très bien, mais les actes ne suivent pas.